Denis. Denis. Ah ah. Oui. Sors, nous allons partir. Ah ah, avant que le propriétaire de la BM ne vienne. Sinon, on risque d'être dérangé. Jude, que se passe-t-il? Il n'y a rien dans la cuisine. J'ai vérifié partout, pas la moindre chose à manger. C'est quoi? Que se passe-t-il? Je suis affamé. Le gari qui restait hier le dernier. C'est ce que j'ai pris hier soir. Pourquoi as-tu fini le gari? Au moins tu l'aurais divisé en deux et tu en aurais gardé une partie pour moi. Tu dis quoi? Est-ce que tu bois du gari? Tu bois du gari? N'est-ce pas toi qui trie les repas? Tu bois du gari? Hein? T'es affamé. Pourtant, il y a des voitures dans l'atelier. Allons-y les arranger. Surtout pour celles qu'on a pris l'avance. Que se passe-t-il réellement? Hein? Des gens viennent à l'atelier laisser leur voiture et ils ne reviennent pas les chercher. Qu'est-ce qui se passe exactement? Hein? Mon frère, le peu que nous avons et pour lesquels ils ont donné des avances, allons les arranger pour avoir de l'argent et bouffer. S'il te plaît, allons-y. Et où est la clé de cet homme? La clé de la voiture? Elle est dans le sac au boulot. Ah bon? Oui, elle y est. Attends, es-tu sûr? Es-tu sûr? Allons réparer les voitures et avoir de l'argent. Tu es là à tourner. Hein, tu vois, tu aurais pu laisser la clé ici. N'est-ce pas la clé? Allons-y, pardon. Hey, la réponse à notre prière est là. Pourquoi tu lui fais toujours des courbettes? Tu la fais sentir trop importante. Hein? Elle est importante, hein? Elle est très très importante. Dun, tararun. La présence de la reine est toujours sentie par ses sujets. Tu sais très bien traiter les garçons. Jude. J'espère que tu vas bien. Tu vois, je n'allais pas bien. Hein. Mais maintenant que tu es là, hey, je vais très très bien. 100%. Bienvenue, Olivia. Qu'est-ce qui t'amène? Oh, je ne peux plus venir visiter mes amis. Je demande juste pour être sûr que tu n'es pas en train de sécher le travail juste pour venir nous voir. T'inquiète pas pour ça. J'ai apporté de la nourriture. Wow. Tu vois, c'est la partie la plus importante de cette conversation. Laissez-moi aller à l'intérieur et le garder en sécurité. Vous pouvez continuer votre discussion. Je suis désolé de t'interroger. Je m'inquiétais seulement et c'est tout. Cela signifie beaucoup pour moi. D'accord? Bien, allons manger. Je dis, Denis, quand vas-tu prendre cette Olivia au sérieux? Hein? Denis, laisse-moi te dire que cette fille t'aime vraiment. Ne le vois-tu pas dans ses yeux? Cette fille est totalement amoureuse de toi. Elle est riche. Mon gars, cette fille va changer ta vie entièrement. Si c'est un nouveau magasin que tu veux, elle l'obtiendra. Même si tu veux changer ta carrière, tu dis d'accord, je veux plus être mécanicien, je veux être banquier. Gars, elle te le rendra possible. Ah ah. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. J'aime Olivia sans aucun doute, mais je ne déciderai pas d'avoir une relation avec elle juste pour ce qu'elle m'apportera. Je ne veux pas d'une femme qui paie mes factures, ce n'est pas l'idée que je me fais d'une relation. Garde, de quel genre d'idée tu parles, hein? Mets cette idée dans ta poche. Laisse-moi te dire, les relations d'aujourd'hui sont ouvertes et quiconque a de l'argent devrait le dépenser. C'est plus une compétition entre les sexes. Dieu a favorisé les femmes. Et il n'y a rien de mal à ce que tu en profites. C'est pas de l'avarice. Vraiment? Oui. Ah ah. Écoute,
je veux travailler pour mon argent, payer mes factures. Je ne pense pas qu'Olivia soit ce genre de femme qui aurait du respect pour n'importe quel homme à qui elle paye les factures. J'aime ma vie et je n'y veux pas ce genre de drame. Mais là, tu as parfaitement raison. Mais laisse-moi te dire, tu vois Olivia, hein? Elle n'est pas ce genre de femme. Crois-moi, pourquoi ne lui donne pas une chance et puis on verra ce qui va se passer. Plus tard, hein, tu me remercieras. Moi, je te le dis, tu me remercieras, Denis. Je me disais, finissons de travailler sur celle-ci et ensuite affronter celui-là. Je pense que ce sera plus rapide. Travaille sur celle-ci et laisse-moi travailler sur l'autre ou bien. Oui. Qui es-tu et que cherches-tu? Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Shima Amanda et je suis à la recherche d'un emploi, n'importe quoi. Emploi? Oui, monsieur. As-tu vu des panneaux d'affichage de recrutement au portail? Ou cet endroit ressemble-t-il à un supermarché pour toi? Hein? Même nous qui sommes les propriétaires de cet endroit, nous cherchons aussi du travail. Alors, comment veux-tu que nous te donnions ce que nous n'avons pas? Écoutez, monsieur. Je peux nettoyer ici, monsieur. Je peux même épousseter les voitures. Chimamanda, cet endroit est un atelier de mécanique. C'est pas une station de lavage. Alors, quelles sont les voitures que tu veux épousseter? Où est-ce que cela se fait? Et pourquoi cherches-tu un travail aussi humiliant? Tu es une fille bien. Il y a de meilleurs emplois dehors. Quand l'estomac a faim, le cerveau n'a pas le temps de choisir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as faim? Je n'ai pas mangé depuis hier, monsieur. Tu devrais dire que tu as faim. Fallait nous dire que tu as faim. Hein? Désolé, parce que ça ne fait pas longtemps que nous avons mangé quelque chose. Hein? Mais Chimamanda, n'est-ce pas? Il faudra que tu tournes un peu. Hein? Ton sauveur va te retrouver, d'accord? Tourne encore un peu, d'accord? Au revoir. J'ai de la nourriture. La mienne. Tu veux bien? Pourquoi pas? Où est-il? Oui, s'il vous plaît, oui. Assieds-toi. Merci. Pose-toi vers ce côté. Affamé. Merci. De rien. Il y a de l'eau en sachet dans le coin. Si tu veux boire, tu peux le prendre. Allons-y. Ne finis pas la nourriture, hein. Ne la finis pas. Mange un peu. Mange juste un peu. Tu es encore ici? Est-ce que je te choque par ma présence? Pas vraiment, je pense juste au stress. Bien, je pensais qu'on pourrait aller dîner ensemble. J'espère que ça ne dérange pas. Déranger qui? Il y va avec toi, non, ce n'est pas un problème.
Jude, je suis là. Je suis là, d'accord? Ne parle pas pour moi, laisse-moi décider pour moi-même. Qu'est-ce qu'il y a à décider encore? Qu'est-ce que tu décides? T'inquiète pas, il va te suivre et quand tu reviendras, tu mettras le mien dans un petit paquet et tu me l'apportes. Hein? Alors, on peut y aller? Allez, bro. Allons-y. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite the tale of love so I can fix all I've broken. I'll make it up to you again. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite the tale. Alors, Denis. Écoute, je sais que tu es un vrai homme et que tu n'aimes pas qu'une femme paye les factures à ta place. Mais il n'y a rien de mal à ça. Hein? Écoute, Denis, je t'aime et... Juste accepte-moi dans ta vie. Et dans moins d'une semaine, je te donnerai des relations et des connexions qui feront de toi un millionnaire. Olivia, tu es une très belle femme. Et tu as un bon travail. Tu as de l'argent. Pourquoi moi? Je suis sûr qu'il y a des gens de ta classe qui s'intéressent à toi. Pourquoi les laisses-tu pour t'en prendre au pauvre que je suis? Je ne comprends pas. Denis, je sais que tu es assez bien éduqué pour savoir que tu ne peux pas choisir pour ton cœur. La personne à aimer. Hein? Le cœur choisi par lui-même. Denis, il ne s'agit pas de ton apparence ou de ton statut. Je t'aime. S'il te plaît, juste accepte-moi. Accepte-moi dans ta vie et laisse-moi te bénir. Olivia, je t'apprécie bien. Mais je ne t'aime pas. Du moins, pas encore. Alors, comment faire pour t'accepter? C'est plus que suffisant pour moi d'apprendre que tu m'aimes bien. L'amour finira par arriver. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Aucune relation n'a de mode d'emploi. D'accord? S'il te plaît, donne-nous cette chance. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. D'accord, mangeons. Chimamanda. Ah. Chimamanda. Oui, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci. Ça va. Où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. D'accord. Alors, demain, essaie de venir au boulot. Hein? On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Êtes-vous sérieux? Oui. Viens, on va voir. Monsieur, merci beaucoup, merci. Je ne promets rien, d'accord? Je veux juste que tu viennes et on verra bien. Viens, on va voir. Pas de problème, merci. Merci beaucoup. D'accord, je ne sais pas si... Prends ceci, essaie de gérer. Merci beaucoup, monsieur, merci. Essaie juste de gérer, hein. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci.
Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Tu es sûr qu'on ne va pas te déposer quelque part? Non, c'est bon. Bien sûr. Oui, oui, vous partez juste. D'accord, allons-y. Merci beaucoup. Oui, à demain. Merci. Bro, merci pour ce rien. Je t'en prie. C'est très gentil. Ah. Tu vois, mon problème avec toi est que tu ne te comportes pas comme un vrai garçon Hugo. On dit que les occasions se présentent, mais une fois. Tu vois les opportunités, on s'en sert pour te gifler. Bah, 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 bah. Tu ne veux pas les saisir. Hmm? Saisis cette opportunité, mon gars. Pour te dire, je suis bien un Igbo original. Oui, et les hommes Igbo prennent bien soin de leurs femmes. Pas l'inverse. J'aime bien Olivia, comme je le lui ai dit ce soir. Mais il y a quelque chose qui me retient. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce mon propre ego? Je ne le trahirai pour rien au monde. D'accord. Tu vois, admettons que tu as raison. Hein? Même si tu as raison, hein? Pourquoi ne pas juste faire semblant? Juste faire semblant. Hein? Et quand elle finira par t'établir, tu romps avec elle et on retrouve notre chemin. Pour ne pas te mentir, mon frère, j'ai vraiment du respect pour les femmes et leurs sentiments. Et je ne blesserai pas intentionnellement une femme juste parce que je veux obtenir quelque chose d'elle. Ce n'est pas mon style. Et en fait, je suis plus grand que cela. Attends, de quel genre de discours s'agit-il? Parce que tu me donnes la nourriture, tu m'insultes. Je ne peux plus apprécier la nourriture, tu vois. Donc je suis maintenant celui qui n'a aucun respect pour les femmes. J'ai pas d'estime de soi, c'est ce que tu veux me dire? Laisse-moi t'aider avec la nourriture. Allez, prends. Donc si je te donne, tu vas le prendre? Si tu as perdu ton appétit, je ne te forcerai pas. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh, l'appétit est revenu. Tu veux même récupérer la nourriture? Voilà. Apporte-moi de l'eau en venant. Patron, comme si tu es mon patron. Écoute, j'aime Denis, mais il est trop coincé. Il aime que les choses se fassent d'une façon la plus normale. Crois-moi, si je dois attendre qu'il devienne l'homme que je veux dans ma vie, je vais définitivement vieillir. Alors aide-le. Donne-lui la connexion dont il a besoin pour faire de lui le genre d'homme que tu veux. Pas question. Je ne le ferai pas tant qu'il n'aura pas dit oui et faire de moi sa femme. Écoute, en attendant, je vais continuer pas à faire les petits trucs que je faisais. Et d'ailleurs, mon intention est de l'entourer de petits soins et de mes petits doigts et le contrôler. Et tout cela ne peut arriver que s'il me laisse payer les factures. Pourtant, tu as dit que tu l'aimes. Bien sûr que je l'aime. Mais j'aime prendre le contrôle. Écoute, je ne changerai pas soudainement, d'accord? Surtout si cela concerne Denis. D'accord. Peu importe ce que tu décides. Es-tu sûr que c'est pas Idriss qui a nettoyé cet endroit? Idriss, nettoyé. Moi-même, ça m'étonnerait parce que je sais que le gars est vraiment, vraiment paresseux. Idriss ne peut jamais rien faire pour personne. Bonjour, messieurs. Encore toi? Non, je lui ai demandé de venir, mais pas si tôt. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez demandé de venir, mais je suis venue à cette heure pour voir si je pouvais traîner dans les environs. Mais tu te souviens très bien, je t'ai dit que je ne te promets pas le travail. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de me donner un travail qui nécessite un salaire. Je veux juste pouvoir faire le ménage ici et être nourri une fois par jour. Nourri? C'est la raison pour laquelle tu veux travailler ici? C'est aussi grave que ça? Eh non, ça devient vraiment de la blague, hein? Fia,
Ma chère, ce travail n'est pas pour les femmes, hein. Il ne l'est pas. Monsieur, mais il y a des femmes qui sont mécaniciennes aussi. Écoutez, je peux vous aider. Vous pouvez m'envoyer. Je peux faire le ménage ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne dites pas non. S'il vous plaît. Tu vois, jeune fille, les affaires ont été vraiment très dures. Très, très dures. Tu vois, c'est un repas par jour que tu cherches, hein? Parfois, nous n'avons même pas un seul repas par jour. Monsieur, ce n'est pas un problème. Chaque fois que nous en aurons, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Notre intention n'est pas de t'abandonner. Monsieur, je cherche un travail depuis si longtemps, je ne sais même plus depuis quand. S'il vous plaît, je veux juste me nourrir et rester en vie. S'il vous plaît. Écoute, j'ai mes yeux sur elle. Elle se débrouille pas mal. Je peux en fait la gérer peu à peu. Je peux toutefois l'aider. Tu vois, ça ne la dérangera pas. De qui est-ce que tu parles? Tu m'amandas bien sûr. Y a-t-il une autre fille ici? Et arrête-moi ça, mon frère. Je ne te permettrai pas de profiter de sa situation pour l'embêter. Pas sous ma surveillance. Pourquoi tu parles ainsi comme si c'est ta petite amie? Pourquoi tu ne me soutiens même pas? Écoute, tant qu'elle travaille ici, reste loin d'elle. Pourquoi? Je ne veux pas te le répéter. Bien, as-tu fini avec ça? Ouvre-moi ceci et finissons-en avec. Pourquoi prend-il autant de temps? Parce que je dois le voir avant de partir. T'inquiète pas, hein? Il sera bientôt là. Il est allé faire un dépannage au bord de la route. Il devrait être en retour maintenant. Fais preuve d'un peu de patience, d'accord? D'accord. Pourquoi ne pas prendre les miens? Tu vois, on gardera le sien quand il va revenir, ma part de la nourriture. Et on lui garde sa part. C'est lui qui doit l'ouvrir parce que c'est à lui que je l'ai apporté. Ce n'est pas juste, hein? Personne ne m'aime. Oh, s'il te plaît, arrête avec tes émotions, d'accord? Ça ne marchera pas avec moi. Oh. Ah. Le voilà. Ah, Olivia, t'es là. Bienvenue. Bonjour, madame. Elle, c'est qui? Oh, elle? Elle, c'est notre employée. Nous l'avons employée. Tu vois, c'est une ménagère. Étant de bonnes personnes, alors nous avons juste dit aidons-la. Alors, quel est ton nom? Shima Amanda, madame. Amanda pour couper court. Donc c'est toi la ménagère? Oui, madame. Oui, madame. Bien. Mes chaussures sont sales. Nettoie-les. Quoi? Pourquoi voudrais-tu qu'elle fasse ça? Bien sûr qu'elle est femme de ménage, mais pas pour tes chaussures. C'est quoi ton problème? N'est-ce pas son travail qu'elle est censée faire? Elle nettoie. Laisse-la nettoyer la chaussure. As-tu perdu la tête? C'est bon. Je peux vraiment le faire. Ce n'est pas un problème. Je vais chercher un chiffon. Bonne ménagère. Nettoie-la bien pour qu'elle brille. Hein. Assure-toi de le faire correctement. Ah ouais,
Amanda, arrête ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'acharnes à te rabaisser? Monsieur, je ne fais que mon travail. Nous avions un accord, souvenez-vous, et je ne fais que respecter ma part de l'accord. Olivia, c'est quoi cette folie que je vois là? Je ne sais pas ce que tu prépares, mais quoi que ce soit, je veux que tu l'arrêtes et tout de suite. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ce n'est rien, j'ai presque fini. Eh ben, mais c'est quoi ton problème, hein? C'est quoi ton stress? Est-ce qu'elle se plaint? Que veux-tu dire par si elle se plaint? Ou bien y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas? Maintenant, prends ça et fais ton travail. Quand tu auras fini de nettoyer le dessus, hein, après tu peux revenir en bas. Tu reviens en bas et tu fais ton travail. J'ai tellement passé de temps ici que j'ai oublié que j'avais un rendez-vous avec ma copine. Merci d'être venue. Ça me va droit au cœur. Mais Olivia, si vraiment nous voulons faire avancer les choses entre nous, je te conseillerais de ne plus jamais répéter ce qui s'est passé ici aujourd'hui. De quoi parles-tu? Je parle de ce qui s'est passé entre toi et Amanda, la façon dont tu l'as traitée. Elle peut toutefois ne pas se plaindre, mais elle travaille ici. Et cela fait d'elle ma responsabilité. Alors je ne voudrais pas qu'une telle chose se produise encore. Sinon, tu ne me reconnaîtras pas. Bonne nuit, monsieur. C'est où ta maison? C'est très loin d'ici, monsieur. Ah, et il est tard, hein? Où soit je t'accompagne? Non, ne vous inquiétez pas, vous allez vous fatiguer pour rien. Mais c'est très dangereux pour toi de marcher seul à cette heure de la nuit. Hein? T'inquiète, je vais t'accompagner. Non, non, écoutez, ce n'est pas nécessaire. C'est bon, je peux y aller toute seule. J'insiste. D'accord, allons-y. Frère, t'es pas fatigué de souffrir? Hein? Nous avons bossé depuis le matin. Tu l'as entendu, c'est une adulte. Elle dit qu'elle pouvait prendre soin d'elle. Alors pourquoi tu te stresses maintenant? Jude, tu sais quoi? Toi, va à la maison. Laisse-moi l'accompagner et je te rejoins à la maison. Je n'hésiterai même pas, j'y vais. D'accord, au revoir tout le monde. Tu me rejoins à la maison. D'accord, toi ne t'en fais pas. Allons-y. Amanda. Oui. Que se passe-t-il? Nous sommes déjà passés par ici. Pourquoi nous fais-tu tourner en rond? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Que se passe-t-il exactement? Ah, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu sais exactement de quoi je parle. Amanda, pourquoi tournons-nous en rond? Amanda. Monsieur. Tu ne veux pas que je connaisse ta maison, n'est-ce pas? Eh bien, tu aurais dû le dire. J'espère que ta maison est dans les parages ici. Oui, oui. Tu peux trouver ton chemin d'ici. Oui, c'est juste au coin de la rue. C'est bien, bonne nuit. C'est bien, bonne nuit, monsieur.
Denis. Appelle-moi Denis. Monsieur Denis. Juste Denis. Juste Denis. D'accord. Allez, bonne nuit. Merci. Lucie, je ne comprends toujours pas. Ça ne colle pas. Il fallait voir la façon dont il défendait cette fille. Et m'a mise en garde de ne plus la traiter mal, sinon il serait obligé de tout arrêter. Je suppose qu'il a juste pitié d'elle. Pourquoi aurait-il une belle jeune femme de classe comme toi et serait-il toujours intéressé par une femme de ménage locale? Il a juste pitié d'elle. Non, écoute, ce n'est pas de la pitié. Je pense plutôt qu'il se sent juste obligé de protéger cette fille. Et je ne sais pas pourquoi. Ma chérie, tu te fais de la peine pour rien. Elle n'est sûrement pas une concurrente. Mais si tu te sens menacée par sa présence, nous pouvons simplement faire quelque chose. Nous pouvons... la faire disparaître pour de bon. Certes, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps pour voir jusqu'où elle ira. D'accord. Si tu le dis. Ah, Denis. Tu es revenu. Je pensais que tu allais passer la nuit chez elle. Protecteur de l'univers. Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez. Jude. Ce qui s'est passé aujourd'hui à l'atelier entre Tim Amanda et Olivia ne doit pas être encouragé. Elle n'a pas le droit de la traiter n'importe comment. Oui, elle travaille pour nous, mais nous ne pouvons pas permettre à une personne extérieure de venir la traiter comme bon le semble. Gars, personne extérieure. Qui est la personne extérieure? Olivia n'est pas une personne extérieure. Elle ne l'est pas. Oui, mais elle ne l'a pas employée. Donc elle n'a pas le droit de la traiter comme elle veut. Et toi, tu es resté là en train d'ajouter l'huile au feu. Elle pourrait très bien être ta sœur. Pardon, pardon, je t'en supplie. Denis, n'implique pas ma sœur dans cette affaire. Hein? En plus, ma sœur ne nettoiera jamais pour se nourrir. Peu importe. Il y a de la dignité dans le travail. Elle ne nous a pas mendié de la nourriture, elle travaille pour l'avoir. Au moins, elle est mieux lotie que celle qui couche partout et essaie de joindre les deux bouts. Écoute, laisse-moi te dire, personne ne paiera un centime à cette fille pour avoir quoi que ce soit avec elle. Oh, vraiment? Je me souviens que tu as fait une déclaration plus tôt dans la journée qui suggéra le contraire de ce que tu dis là. Ah oui? Oh, Denis, ne me dérange pas. J'espère que tu n'as pas fini toute la nourriture dans la cuisine. Hello? Hello? Oui. J'ai réfléchi à ta proposition. Et j'ai décidé de nous donner la chance. Je veux que tu saches que je ne prendrai pas tous tes efforts pour cette relation à la légère. Et je t'apprécie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis vraiment reconnaissant. J'espère qu'à l'avenir, tout ira très bien entre nous. Crois-moi, mon cœur, tout ira
Très bien. Écoute, tu viens de prendre la bonne décision, mon cœur. Et je promets que tu ne vas pas le regretter. D'accord? D'accord. D'accord. Bien, mon cœur. À demain. Au revoir. De quoi s'agit-il? Il a dit oui. Oh, vraiment? Il a dit oui. Oh. Je suis si contente pour toi. Oui, ça mérite une célébration, ma chère. Tu vas bientôt avoir tout ce que tu as toujours voulu. Denis va obéir à tous tes ordres et va satisfaire tes moindres désirs. Merci. Serveur, est-ce qu'on peut avoir du champagne? On va le célébrer. Bien sûr. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Je t'assure. Amanda. Oui, monsieur. S'il te plaît, viens. Elle m'aide avec les outils. Hein? Oui. Mais je veux qu'elle aille m'acheter de la boisson fraîche chez Ticket. Je vais t'aider jusqu'à ce qu'elle ne revienne. Non, c'est son travail. Je veux dire de la laisser faire son travail. Oui, pourquoi est-elle ici? Laisse-la faire son travail. Hein? Oui, bien sûr. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu ne veux pas qu'elle sorte? Moi? Oui. Bien sûr que non, rien du tout. Très bien. Voilà. S'il te plaît, achète-moi deux bouteilles de boisson et tu pourras aussi t'acheter de n'importe quoi. D'accord, monsieur. Merci. Vas-y. D'accord. Alors, as-tu fini? Hein? As-tu fini de travailler sur la voiture? En fait, comment pourras-tu finir? Quand je t'ai vu faire le stupide autour d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais bien que cette fille te respecte. Respecte-toi. J'espère que ma part de la nourriture et la boisson sont là. Hein? Parce que je ne comprends pas. Comment puis-je être ici à souffrir et à travailler? Et vous, vous êtes là en mangeant. Pourquoi es-tu si mesquin? Hein? Tu sais que ta nourriture et ta boisson sont en sécurité. Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Il ne s'agit pas de moi étant mesquin. Hein? Mais c'est ce qu'on appelle du mauvais travail et de la mauvaise éthique. Hein? Comment voulez-vous que je sois là à travailler, à souffrir sur cette voiture? Et que je vois une ordinaire Tim Amanda? Tu me demandes à manger même. Pourtant, j'ai pas mangé. Ha! Que veux-tu? Hein? S'il te plaît, quoi que tu veuilles, fais-le-moi savoir, je t'aiderai. Faut pas lui en vouloir. Chef Jude, je suis là. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Tu sais ce que tu faisais avant. Vas-y et continue à le faire. Amanda, assieds-toi. Finis ton repas. Tu veux d'aide, n'est-ce pas? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Tiens-moi ça. Tenir quoi? Mets-le par terre. Quoi? Tu manges dans mon plat? Olivia, est-ce qu'on se ressemble? Comment oses-tu toucher à mes plats avec tes sales mains, fille de basse classe? Qu'est-ce que tu viens de faire? Es-tu devenue folle? Pourquoi traites-tu ainsi un humain comme toi?
C'est aussi un humain comme toi, bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout va très mal pour moi, Denis. Absolument tout. Pourquoi la laisses-tu manger dans mon plat? Hein? Je dois m'en débarrasser parce que je sais qu'elle les a touchés avec ses sales mains. Je lui ai dit, hein? Je lui ai dit de ne pas l'autoriser à manger la nourriture ou de toucher à ton assiette. Alors regarde ce que tu as causé. Oh, elle est sale, n'est-ce pas? Elle est sale. Elle n'est pas digne de manger dans ton assiette. Je le suis moi aussi. Et si elle est sale, je le suis moi aussi. C'est ma collègue de travail et mon amie. Regarde la façon dont tu l'as traitée. Et si tu n'es pas à l'aise en la voyant ici, trouve un autre endroit pour qu'on se rencontre. C'est quoi? Regarde comment tu as traité une femme comme toi. Tu sais quoi? À cause de ses comportements, je vais te laisser un avertissement. Et ce sera très bien le dernier. Dernier avertissement. Tu sais, ce que tu as fait ici aujourd'hui m'a fait perdre le respect que j'ai pour toi. Car si tu peux traiter une dame comme toi, comme tu l'as fait, qu'est-ce qui garantit que je suis en sécurité avec toi? Tu es en sécurité. Tu es en sécurité avec elle, hein? Denis? C'est bon, ça va, ne t'inquiète pas. Ça va, t'inquiète surtout pas. D'accord? As-tu apporté une autre nourriture? Alors, tu es calme maintenant? Je peux te dire maintenant pourquoi je suis venue? Je suis à l'écoute. Bien. Je suis venue t'offrir un peu d'argent afin de remonter un peu tes affaires et opérer à un niveau plus élevé. Écoute, Olivia, j'ai pas accepté cette relation pour que je puisse me faire de l'argent avec. Alors, merci, mais non. Mais... Je me débrouille dans mon entreprise. J'aime travailler pour mon argent. Mais je voudrais pas juste... Pas de mais. Rentre chez toi, Olivia. T'en as déjà beaucoup fait peur aujourd'hui. Alors ne vide pas ce qu'il en reste. Vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Qu'est-ce que tu veux de Denis? Pourquoi tu es après lui? De quoi est-ce que vous parlez? Je suis ici pour travailler. Écoute, je ne veux plus te rappeler encore ceci. Quel que soit ton complot ou le plan que tu as dans ta tête pour t'impliquer dans la vie de Denis, il faut l'enlever de ta tête parce que c'est mon homme. Je vais plus te le rappeler. Pourquoi me voyez-vous comme une menace? Non, je ne suis même pas aussi bien disposée comme vous. Alors, pourquoi avez-vous si peur? Elle dit peur. Peur? Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai peur de toi? Écoute, je te dis seulement ceci. Pour ton propre bien. Maintenant, viens avec moi, j'ai du travail pour toi. Je n'en peux plus vraiment. Il ne me traite pas bien et je ne peux plus le supporter. Il m'a offensée. Au lieu de me présenter des excuses, il rejette mon aide. Écoute, je ne suis plus une enfant et je ne vais pas permettre que quelqu'un me traite comme tel. Attends. Tu veux dire que Denis a refusé les 1 million de francs CFA? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez ce garçon. Pourquoi pense-t-il que Tim Amanda est assez grande pour s'interposer entre vous deux?
Pourtant, vous venez juste de commencer par sortir ensemble. Non, 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 non. Il a définitivement perdu la tête. 1 million de francs CFA. Même un gros villageois ne peut pas rater cette affaire. Denis, comment as-tu pu? Oh Jésus, Denis, 1 million de francs. Denis, tu as perdu la tête. C'est plutôt toi qui l'as perdu, hein? Je t'ai dit dès le début que je ne m'engage pas dans cette relation à cause de l'argent. Et pour aucune raison, je l'ai juste accepté et elle a déjà attaqué Chimamanda. Si je prends son cadeau, la minute suivante, elle me dira de la renvoyer. Denis, une somme astronomique de 1 million de francs CFA. Et puis tu l'as rejetée? Et même si c'est 20 millions, je vais toujours la rejeter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle n'a même pas encore commencé et elle attaque Chimamanda. Et si je prenais son chèque? Elle me demandera de la renvoyer et ça, je ne le ferai jamais. Chimamanda, 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 Denis. C'est tout ce que j'entends ces jours-ci. Et elle n'apporte absolument rien à la table. Olivia te donne 1 million de francs CFA et tu le rejettes juste à cause de Chimamanda. Conscience. D'accord, j'ai une conscience. Et c'est ce que toi et Olivia, vous n'aurez jamais. Oui, juste après 24 heures que j'ai accepté sa proposition, elle essaie déjà de tout gâcher à propos de ma vie. Je ne lui laisserai jamais faire. Tu m'as entendu? Peut-être que tu peux aller et entamer une relation avec elle. Monsieur Denis. Bonsoir, Monsieur Denis. Chimamanda. Monsieur. Qu'est-ce que tu... Attends, attends. N'es-tu pas rentré chez toi? Non, non, monsieur. Non. Pourquoi? Rien. Parle-moi et ne me mens surtout pas. As-tu toujours dormi ici? Pourquoi me demandez-vous cela, monsieur? Denis. Appelle-moi Denis. Pourquoi me demandes-tu ça, Denis? Je ne suis pas un enfant. Tu nous as fait tourner en rond l'autre nuit. Tu viens au travail si tôt le matin alors que tu prétends vivre très loin d'ici. Dis, Amanda, que se passe-t-il exactement? Je ne peux pas te mentir. N'ose même pas. Je n'ai pas de maison. J'habitais chez ma tante, mais elle en a eu marre du fait que je n'ai pas de travail. Alors, elle voulait que je commence à coucher avec des hommes pour de l'argent, mais j'ai refusé. Donc, elle s'est énervée et m'a renvoyée de chez elle.
je n'avais nulle part où aller, alors je suis venue ici. Je suis désolée, je ne t'ai pas demandé la permission, désolée. Je suis désolée pour tout ce que tu as dû endurer. Mais tu aurais dû te confier à moi. Tu aurais dû me le dire. Je ne t'aurais pas trouvé une maison sur le champ, mais au moins j'aurais parlé à des gens pour voir s'ils pouvaient t'aider. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Tu en as déjà beaucoup fait pour moi. Et je voulais pas te déranger, s'il te plaît. Que veux-tu dire par me déranger? Regarde où est-ce que tu restes. Tu es exposé à trop de dangers ici. As-tu mangé quelque chose? Tiens, tu peux en avoir plus. J'en ai déjà. D'accord. Pour te dire vrai, j'aime vraiment ça. La dernière fois que j'en ai bu, lequel? C'était 4. 4? Oui. Oh Dieu, ça c'est trop bon. Tout est bien. Toi-bas, tu sortes de cette voiture. Sors. Pour le camp. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu folle? Olivia. Tu vois, pas aujourd'hui, madame, pas aujourd'hui. Quel crime ai-je commis? Et tu veux me frapper? Tu oses me poser cette question? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Denis. As-tu dormi dans l'atelier? Et même toi, Timamanda. Eh bien, Olivia, que fais-tu ici si tôt? Ce que je fais ici? C'est ça l'explication que j'ai pour cette scène? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme dépravée? Écoute. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais n'ose jamais insulter ma personne. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai jamais. Wow. Intéressant. Ineko. Neko. King Kong. Hein? Moins de 24 heures avec Denis. Hein? Si on te laisse, tu nous gifleras tous ici après 48 heures avec lui. Jude, contrôle tes paroles.
Oh, c'est très beau. Que je contrôle mes paroles. Oui, à cause de cette chose. Hé, écoute, je t'en prie, écoute. Je ne vais plus tolérer d'autres insultes de ta part. Oh, qu'est-ce que tu penses que je pourrais accepter? Que tu couches avec mon homme? Ton homme? Depuis quand? Ah, attends. Je ne savais pas que vous deux vous étiez en couple. Monsieur Denis. Oui? Est-elle ta femme? Hein, dis-lui. Denis, elle t'a posé une question. Enlève-lui le doute. Suis-je ta femme ou non? Tu ne l'es pas. Tu me renies devant ce machin de fille? Ah. Alors, s'il n'est pas en relation avec toi, est-ce que cela veut dire que c'est toi qui l'harcèles? Denis, reviens. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Reviens, Denis. Juste dans ta tête? Tu t'adresses à moi? C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu peux faire? Oh, tu me parles? Je te parle, bien sûr. Tu me tentes, je te brise la tête dans cet endroit. Essaye, tu vas voir. Je vais t'éclater la tête. Essaye. Vas-y. Tu vas briser ma tête. Je vais la casser. Je vais te battre. Essaye, tu vas voir. Tu vois, tu dois faire attention à tes mots et à tes choix. Parce que si tu perds Olivia, ta vie sera misérable. Olivia est venue ici. Elle n'était pas habillée pour le travail. Ça veut dire que quelqu'un l'a appelée. C'est cette personne qui l'a appelée qui a besoin de s'occuper de ses affaires. Parce que très bientôt, cette personne va se tromper de ligne. Et il ne l'aimera pas. Chi? Oui, monsieur. Tu as toujours le solde d'hier avec toi? Oui. D'accord, quand tu auras faim, utilise-le pour t'acheter quelque chose. D'accord, merci. Je vois que tu peux maintenant parler. Après avoir passé une nuit avec Denis, comment était-il? Lisse? Et quand est-ce que ce sera mon tour? Puisque tu te mets à vendre ton corps. Écoute. Je ne sais pas ce que tu essayes de dire. Mais ne m'accuse surtout pas de ce que je n'ai pas fait. Et pour ce qui est de ton tour, jamais. Tu n'es pas mon genre. D'accord, nous verrons cela. Où es-tu? Attends-moi, j'arrive. Tim Amanda. Monsieur, j'arrive. Est-ce que tu dors ici ce soir? Moi, je vais à la maison. Non, je vais aller à l'église ce soir. Il y a une projection. Alors, on se voit demain. D'accord. Donc, je pense que demain, on devrait pouvoir parler de ton logement. Alors, prends soin de toi. Hein. Monsieur? Pourquoi l'avez-vous renié aujourd'hui? Tu veux parler de ça maintenant? Oui. Je veux savoir pourquoi vous me défendez toujours contre elle. Je ne sais pas, parce que peut-être tu es une bonne personne et que tu ne manques du respect à personne. Alors, c'est par pitié? Non, loin de là. Alors pourquoi?
Je ne vais pas te forcer à répondre. On se voit demain. Juste, prends soin de toi et puis... Et si tu décides de dormir ici ce soir, fais-moi savoir. D'accord. C'est quoi? Laisse-moi! Laisse-moi! De quoi s'agit-il? Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Hey! Si tu essaies encore de faire cette bêtise avec moi, tu verras ce que je vais te faire. Si tu oses encore, tu n'auras plus jamais d'érection. Essaie encore voir. Essaie juste. Toi! Toi qui n'as même pas un toit au-dessus de ta tête. Ah, je vais te battre. Je vais te tuer. Et personne ne te trouvera, même Denis. Écoute, je n'ai peut-être personne, mais si tu me tentes, essaye, tu verras ce que je vais te faire. Essaye. D'accord, c'est ce qu'on va voir. Jésus-Christ, Jude. Jude, qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et d'où est-ce que tu viens à cette heure de la nuit? J'ai appelé ton numéro fatigué, tu n'as pas décroché. J'avais l'insomnie. J'arrive pas à dormir et j'ai décidé d'aller me promener. Et j'ai été attaqué par des voyous. Je me suis très bien battu. J'ai réussi à les empêcher de prendre mon téléphone. Pourquoi tu ne leur as pas juste donné le téléphone? Le téléphone ne fait même pas 4000 francs. Voilà maintenant qu'ils ont transformé ta tête en un. Mais, parlant d'insomnie, que veux-tu dire par là? Tu as dormi avant moi. Comment se fait-il que tu as eu encore d'insomnie et que tu décides d'aller te promener?
Denise, et quel genre de questions stupides que tu me poses? Désolé. S'il te plaît, laisse-moi. Où est-ce que tu vas? Allons trouver une pharmacie de garde afin qu'il puisse panser cette blessure. C'est sur le crâne, hein. Jude! Laisse-moi aller laver ça. Désolé. Va vite laver ça, afin qu'on aille trouver un endroit pour panser cette blessure. Ça n'a pas l'air bien, en plus c'est sur la tête. Mon Dieu. Tu veux que je t'aide? Hein? C'est quoi? Est-ce que ça peut être possible? C'est incroyable. Attendez, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que cela peut-il être possible? Ça peut-il être vrai? Ce n'est pas de son habitude. Elle devrait déjà être là. Où pourrait-elle être? Denis, il faut que tu comprennes qu'elle est partie. Tu vois, ces genres de filles sont nomades par nature. Et elles ne restent pas longtemps au même endroit. Donc, juste comme ça, elle est partie? Bien sûr qu'elle est partie. Alors, juste comme ça, elle est partie? Ce n'est pas possible. C'est pas son genre. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, il n'y a rien qui cloche. Elle est partie. Elle ne veut plus être encore ici. Alors pourquoi ce mal de tête? Pourquoi ça? Passons à autre chose. Un client arrive. Un client. Quelqu'un garde, tu dis un client. Oh mon Dieu. Non. Non. Pas possible. Est-ce que cela peut être possible? Non. Non, je ne crois pas aux fantômes. Oh, tu es réveillé. Oh, gloire à Dieu. Tu es consciente maintenant. Merci à Dieu. Où suis-je? Ah. Qui êtes-vous? Doug. Doug Davis. Et tu as foncé sur ma voiture hier soir. Et puis, je ne voulais pas t'abandonner là-bas, donc j'ai décidé de t'amener à l'hôpital pour te faire soigner. C'est pour ça que tu y es. Je ne sais pas qui contacter pour venir te voir, parce que je ne te connais pas et je ne connais pas ton nom. Je ne sais rien à propos de toi. As-tu relativement de la famille quelque part? Non. Non? Alors quoi? Il n'y a personne que je peux contacter pour venir te voir? Non.
Oh, Seigneur. Où est-ce que tu habites? Nulle part. Bien joué, Jude. Elle est enfin sortie de sa vie. Maintenant, Denis va apprendre à m'apprécier et à m'accepter. Merci beaucoup. Tu es vraiment l'homme de la situation. Tu vois, je veux que mon ami soit heureux. Il a besoin de toi dans sa vie. Pas cette fille qui sent juste la pauvreté. Merci infiniment pour cet argent. Oh non, c'est rien. J'apprécie vraiment. Si t'as besoin de moi pour quoi que ce soit encore, fais-le-moi savoir. Oh oui, bien sûr, je le ferai. D'accord. L'argent. Merci. Entre, n'aie pas peur, entre. Bonne arrivée, messieurs. Merci. Ici, c'est ma maison. Oui, voici ma maison. Chimamanda, bienvenue dans ma maison. Lisa, elle c'est Chimamanda. Chimamanda, voici Lisa. Je sais à quoi tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. Chimamanda, Lisa est la femme de ménage. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Elle se ressemble, n'est-ce pas? Elle lui ressemble. Je ressemble à... À qui? Ma femme. Ah. Où est-elle? Malheureusement, elle a quitté il y a 8 ans. Oui. Quitté? Je ne comprends pas. Elle est morte pendant l'accouchement avec le bébé. Oh, je suis vraiment désolée. C'est bon. Cela fait 8 ans. Mais... Waouh. J'ai toujours l'impression que c'était hier. Allez, apporte le sac de Chimamanda dans la chambre des visiteurs. Et tu le trouves aussi à manger. Oh, ne reste là planté à te regarder comme une vedette. Va déposer le sac. Et toi, assieds-toi. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Mais tu es la bienvenue, voyons. Elle va te servir quelque chose à manger. Et puis, tu vas te reposer. D'accord, monsieur. Toi, relax. Rassure-toi d'être confortable. Voici maintenant ta maison. D'accord. Merci, monsieur. C'est bon.
Denis, tu ne te tueras pas, je pense. Cela fait une semaine que cette fille a disparu. Et tu as refusé de manger quoi que ce soit. Ah, pourquoi tu fais cela à toi-même? Elle n'est même pas un membre de ta famille. Juste une fille de rue que nous avons décidé d'aider. Donc tu es en train de dire que si elle était ta sœur, ce serait si facile pour toi de passer à autre chose. Pardon. Je t'en supplie, ne mêle pas ma sœur à ça, d'accord? Elle ne pourra jamais être ma sœur. Ah ah. Prends ton temps, hein. Si c'était pas que tu es en couple avec Olivia, j'aurais dit que tu as commencé par avoir des sentiments pour cette poubelle de fille. N'essaie même pas. Ne l'appelle pas par ce nom si tu veux que la paix règne. D'accord? N'essaie même pas. Oh waouh. Oui. C'est arrivé à la paix. C'est arrivé à la paix, vraiment. D'accord. On verra bien. Ne me dis pas que tu commences par avoir des sentiments pour cette fille. Contrôle ton langage. Jude, contrôle ton langage. N'essaie plus de me dire ce genre de choses. Lisa. 8 années, c'est tellement une longue durée. Pour qu'il s'accroche autant à une défunte. Je sais qu'il l'aime beaucoup, mais il doit passer à autre chose. Il faut qu'il commence à revivre, tu vois, parce que le temps est contre lui. Ma chère, il n'a aucune raison de sourire, ni d'inviter qui que ce soit à la maison. Je pense que c'est la ressemblance frappante entre sa femme et toi. Elle est la seule raison pour laquelle il t'a amené à la maison. C'est un homme tellement seul. Mais c'est bien. C'est bien. Est-ce que je peux avoir ça? D'accord. Mon cœur. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne suis pas d'humeur » ? Qu'est-ce que tu as dans ta tête ? Dis-moi, Kestia. Dis-je fais quelque chose de mauvais ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon cœur, parle-moi. Il s'agit d'Amanda. Je suis toujours à sa recherche. Tu te moques de moi? Hein? Attends, je suis ici avec toi et tu penses à Shima Amanda? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis avec toi ici et tu penses à cette fille bon marché. Ça c'est de l'insulte et je ne vais pas le supporter. Qui est-elle pour toi? Que veux-tu d'elle? As-tu des sentiments pour elle ou quoi? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour elle. En d'autres termes, je l'aime. Ai-je répondu à ta question? Amanda. Où est-ce que tu es, Amanda? Tu m'as posé une question et tu es partie avant que je puisse te répondre. Reviens. S'il te plaît, reviens. Comment est-ce que tu vas, Denis?
Je te manque. Est-ce que tu me cherches? Tu me manques. J'ai envie de te voir. Tu vois, je l'avais dit. Je l'avais bien soupçonné qu'il a des sentiments pour cette fille. Ah ah, mais t'inquiète pas. Elle est introuvable. Juste donne du temps à Denis. Je suis sûr qu'il reprendra ses esprits et comprendra que tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Ah. Denis m'a regardé droit dans les yeux et me dit qu'il a des sentiments pour une autre femme. Jai. Il n'a même pas choisi une fille de mon stand-in. Il prend cette chose chez Mamanda. Ah. Denis m'a vraiment déçu. Et je ne vais jamais l'oublier. Juste calme-toi. Allons-y doucement. Ça ira. Merci. Ce Denis est vraiment têtu que... Monsieur? Ah, vous ne dormez pas? Je ne dors pas non plus. Y a-t-il un problème? Juste que je n'ai pas sommeil. Ah, voulez-vous que je vous tienne compagnie? Oh, ce serait splendide. Je risque de te priver de ton propre sommeil. En fait, monsieur, je n'ai pas sommeil. Es-tu sûr? Très sûr, monsieur. Olivia, tu n'as pas besoin de ces larmes. Si cette fille te crée des ennuis, pour l'amour du ciel, débarrasse-toi d'elle. Elle est trop petite pour nous. S'il te plaît, arrête de pleurer. Nous allons certainement la trouver. Et une fois que nous la trouverons, nous finirons avec elle. Je voudrais bien le faire moi-même. Je vais voir les larmes dans ses yeux quand je le ferai. Elle va me supplier. Elle va implorer la pitié, mais aucune aide ne viendra. Elle regrettera d'avoir rencontré quelqu'un comme Denis. C'est maintenant que tu parles. Ça va. Arrête de pleurer. Elle n'en vaut pas la peine. D'accord? Ressaisis-toi. Tu as traversé tellement de choses dans la vie. Si jamais je vois ce Jude, je vais le castrer. Monsieur, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, j'ai été capable de me défendre. Tu as failli perdre gratuitement ta vie. Il aurait pu te tuer. Mais je n'ai pas perdu la vie. Du moins, ça devrait compter pour quelque chose. Ma chère. Tcha 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 tcha. Oh.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, où sont mes verres? Je les ai enlevées hier. Elles sont juste là, à côté. Je ne savais pas quand tu m'as couvert. Oui, hier soir. Désolé. Ma chère, j'étais vraiment fatigué. J'ai préparé un petit déjeuner pour vous. C'est un petit déjeuner au lit, mais vous êtes ici sur le canapé. C'est juste derrière vous. Ah bon? Oui, monsieur. Tu l'as fait? Oui, monsieur. Oh mon Dieu, c'est vraiment bon. Oh, ma chère, merci, merci beaucoup. Ah, et tu sais même comment faire monter. Oh, ah. Oh, mais tu devrais te joindre à moi. Non, monsieur. Je ne suis pas digne de me joindre à vous pour manger. Digne? Qui est digne? Allez, viens ici. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Ça veut dire quoi, digne? Il y a deux tasses de café. Allez, bois. On le partage, d'accord? Vas-y, bois-le maintenant. Vas-y. Et prends du pain. Prends du pain. Vas-y, prends le pain. Vas-y. Oh, je dois être si fatigué que j'ai dormi ici. Je ne l'ai plus fait, ça fait 8 ans. J'ai dû vous fatiguer avec mes histoires. Non, ce n'est pas cette histoire. C'est ta présence. Ta présence. Je n'ai pas ressenti ça depuis 8 ans. Bien. Je suis heureuse d'être importante, monsieur. Tu es absolument importante, d'accord? Et tu dois le savoir. Hein? D'accord, oui, monsieur. D'accord. Alors, mange maintenant. Intéressant. Allez, viens. C'est très bon. Je pense que tu as tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Merci infiniment, monsieur. Non, merci tu n'as beaucoup. Pas besoin de me remercier. Écoute, le plus important est que tout ce que je fais, c'est de te rendre heureuse. Et si tu es heureuse, je le suis aussi. D'accord? Alors, j'aimerais savoir si tu les aimes. Bien sûr que je les aime, monsieur. Voici la phrase que je veux entendre. Je les aime. D'accord? Maintenant, il est temps pour que tu montes à l'étage. Essayez de les ajuster, voir s'ils conviennent à ta belle silhouette et à ton beau visage. D'accord. Merci, monsieur. À toi de jouer maintenant. Tu sais que je suis heureux de faire ça pour toi. Merci. I don't wanna be without you. Over the years, see, I know now. You are the reason I'm breathing. I'll lift you up when you're falling. Here is your safest heaven. Come close and feel my heart beating. Beating for you. Nobody's gonna break us.
Écoute, écoute, tu sais, il y a eu un moment où je payais mes frais de scolarité tout seul. Oh. Oui, sérieux. J'étais doué dans l'affaire de manioc et de noix de coco. Pas comme toi. Tu sais que je t'ai laissé gagner, n'est-ce pas? Tu ne peux pas le dire. Je t'ai laissé gagner. Ma chère, la vérité, c'est bien. D'accord. Dis vrai. Et au passage, mets en valeur ta beauté. J'ai entendu. Maintenant, tu as appris à dire la vérité. Ou bien tu veux encore l'essayer? Non, je suis fatiguée. Dis juste la vérité. D'accord, d'accord. Tu as gagné. Tu as gagné. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a un bon goût. Oui, monsieur. Tu ne manges pas, il y a quoi? Je sais que vous m'avez dit que je pouvais rester ici aussi longtemps que je le voulais, mais j'aimerais rendre visite à Denis. Vous savez, parce que je suis sûre qu'il doit s'inquiéter de savoir où je suis depuis ma disparition sans trace. Tu veux dire Denis le mécanicien? Oui, monsieur. Combien de fois vais-je te le répéter que je suis Duke Davis? Dois-je fendre ta tête pour le mettre dedans? Non, non, monsieur. Je suis désolée. Et que chaque fois que tu m'appelles monsieur, je ressens que je deviens trop vieux. Oh, je suis désolée, je suis désolée. Duke Davis. Monsieur. Alors, s'il vous plaît, puis-je lui rendre visite? Veux-tu que je vienne avec toi? Non, monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, d'accord, non, Duke Davis, monsieur, encore désolé. Je préfère y aller seul. D'accord, je vais dire au chauffeur de te déposer. Ce sera bien, je pense. Oui, ce sera parfait, merci beaucoup. Pourquoi? Pour tout. Pour tout comment? Vas-y, mange. Been ups and down, but I'm stuck on you. I know we were meant to be, got this feeling in my soul. I'm stuck on you. Been a fool too long, been lying to myself. Many times I tried so hard to get this over. I don't know, but it's not infatuation. Need to get harder each time I try to play the game. I cannot trade you for. Donc c'est comme ça que j'ai atterri chez lui. Et il s'occupe très bien de moi. Mais tu sais, j'ai dû rester à l'écart pendant tout ce temps pour me soigner et pour me reconstruire. Compte tenu du fait que, à un moment, je n'étais plus en sécurité ici. Tu n'es... Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que je dois lui dire, Jude? Ou tu vas le lui dire toi-même? Me dire quoi? Jude, que s'est-il passé? Jude! D'accord, bien. Comme tu ne veux pas parler, je vais lui dire. De quoi s'agit-il? Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Hey, si tu essaies encore de faire cette bêtise avec moi, tu verras ce que je vais te faire. Si tu oses encore, tu n'auras plus jamais d'érection. Essaie encore voir, essaie juste. Toi qui n'as même pas un toit au-dessus de ta tête. Je vais te battre.
Je vais te tuer et personne ne te trouvera, même Denis. Écoute, je n'ai peut-être personne, mais si tu me tentes, essaye, tu verras ce que je vais te faire. Essaye. D'accord, c'est ce qu'on va voir. Ah, je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu ici pour Denis. Je suis venu te voir et te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour avoir toujours veillé sur moi. Et avoir été là. Mais le plus important est que je suis venu te dire la vérité. Quelle vérité? Que je t'aime. Écoute, je ne te dis pas ceci pour que tu m'aimes en retour. Je te dis juste ce que j'ai ressenti. Et ce que je ressens encore. Je dois y aller. Je te reverrai bientôt. Donc tu as voulu violer Tim Amanda. Mais qui es-tu? Comment peux-tu te rabaisser à ce point? Cette fille ne voulait rien d'autre que la nourriture. Et elle était prête à travailler pour ça. Tu es un homme déshonoré. D'ailleurs, j'ai pas de mots pour te définir. Je suis désolé. T'es maintenant désolé, hein? Je sais que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Oh, tu sais que tu as fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Mais la vérité est que... La vérité est que quoi? C'est quoi? La vérité est que j'ai été payé pour le faire. Tu as été payé pour le faire? Par qui? Parle, par qui? Qui t'a payé? Olivia, c'est Olivia qui m'a payé. C'est elle qui a eu l'idée et j'y ai adhéré. Jude, tu n'es pas mon ami. Qui es-tu? Tu n'es pas le Jude que j'ai toujours connu. S'il te plaît. Donc à cause de l'argent, tu es prêt à prendre la dignité d'une femme et la détruire? Je n'ai pas de mots pour toi. Remercie ton étoile que je ne suis pas une personne violente parce que si je l'étais, tu aurais criblé de coups de poing. Mais tu sais quoi? À partir de maintenant, nous ne sommes rien d'autre que des collègues de travail et colocataires. Bienvenue, monsieur. Merci. Elle est revenue. Oui, mais elle est ressortie pour aller acheter quelque chose. Oh, je vois. Monsieur, est-ce que je peux servir le dîner? Non, je vais l'espérer. D'accord. Lisa. Monsieur? Que penses-tu d'elle? De qui, monsieur? Chimamanda. Oh, je pense que c'est une fille sympa, très familiale et vivante.
Ah, c'est bien. Que pense-t-elle de moi? Elle pense aussi que vous êtes un homme bien. Lisa, penses-tu qu'elle aimerait être avec un homme comme moi? Monsieur, voudrez-vous être avec une fille comme elle? Oui. Pourquoi pas si elle accepte? D'accord. Alors vous devez le lui dire. C'est à elle de dire oui ou non. Merci. Bien. Juste quitte cet endroit. Denis, je regrette tout. Oh. Je regrette d'être tombée amoureuse de toi. Voilà. De t'avoir désiré, d'avoir perdu tout mon temps avec toi. Non, c'est moi plutôt qui suis censé regretter. C'est moi qui pensais que peut-être te donner une chance prouverait que j'ai tort, mais... Tu m'as juste déçu. Tu as juste prouvé que... Tu n'as aucun respect et considération pour tout être humain. Et je regrette. Et d'ailleurs, jamais je ne te le pardonnerai. Me pardonner? Qui est-ce qui te demande de lui pardonner? J'ai l'air d'avoir besoin de ton pardon. Tu es juste un garçon fauché que j'essayais d'aider. Dédé, tu ne sais pas avec qui tu t'es frotté. Et je ferai en sorte que tu payes. Quant à Shima Amanda, ou comment tu l'appelles, je la trouverai et elle payera pour tout ce qu'elle m'a fait. Si elle perd ne serait-ce qu'un seul cheveu de sa tête, je te montrerai la bête que je suis. Maintenant, quitte mon atelier et ne reviens jamais pour ton bien. Va-t'en! Va-t'en avant que je ne te pousse. N'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi je t'avais dit oui. Jude! To love like I do. Someone save my soul. I'm losing it all. Pain, heartbreak, that's all I get. The sky's no more blue like it used to be. Is it just me? Oh, I am lost in darkness. Oh, I need a light. I need someone to help me. Is it a crime to love? To love like I do. Someone save my soul. I'm losing it all. Is it a crime to love? To love like I do. Someone save my soul. Like I'm losing it all. Do you understand when I said I want to? Tu voyages? Je veux juste quitter la ville. Où vas-tu? Je ne t'ai pas encore demandé de quitter. Oui, mais... J'ai juste besoin de retraite et... vider ma tête. Bien. D'accord. Je suis désolé pour tout.
D'accord. Bien de choses à toi. Je suis venue te dire la vérité. Quelle vérité? Que je t'aime. Chimamanda, je sais que je suis peut-être trop vieux pour ça. Je sais que je suis peut-être démodé. Je sais que je ne sais peut-être pas comment le faire. Quand je te dis que depuis 8 ans déjà que ma femme est décédée, je n'ai jamais aimé une autre femme. Elle représente le monde pour moi. Jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. C'est comme une bouquet d'air frais. C'est comme un rayon solaire s'infiltrant dans l'obscurité. J'ai commencé par avoir des sentiments. Je peux dès lors m'endormir et me réveiller avec le sourire sur les lèvres. J'ai recommencé par aimer. Chimamanda, s'il te plaît, épouse-moi. It's been ups and downs, but I'm stuck on you. I know we were meant to be. Got the spirit in my soul. I'm stuck on you. They're trying so hard to break this bond, and the journey seems so hard. Il me l'a proposé. I know it's been ups and downs, but I'm stuck.
Alors, qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? C'est ta vie. Et je ne peux pas décider pour toi. Alors je dois accepter de l'épouser? Je n'ai pas les moyens de te donner le genre de vie que tu mérites. Je ne pourrai pas, à cause de mon intérêt personnel qui va t'empêcher d'avoir une meilleure vie juste parce que je t'aime. Tu m'aimes? Tu viens de dire que tu m'aimes? Ça n'a aucune importance. C'est la chose la plus pertinente que tu aies dite ce soir. Écoute, je ne l'aime pas. Mon amour pour lui est platonique. Tout comme toi. Je ne veux pas être avec un homme juste à cause de sa richesse. Regarde-toi. Regarde-toi maintenant. Tu vis actuellement la vie que tu mérites. Il t'a nettoyé. Il a changé ta garde-robe. Il t'a élevé. Il se soucie de toi. Qu'est-ce que tu veux d'autre que... Le vrai amour. C'est absolument tout ce qui compte pour moi. Plus que la richesse. Et c'est pour toi que mon cœur bat. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Monsieur, pardon. S'il vous plaît. J'ai toujours vécu une vie solitaire. J'ai toujours eu une vie sans amour. Puis j'ai rencontré Denis. Il a comblé ma vie d'une grande gentillesse et amour. Donc je suis tombée amoureuse de lui. Il était toujours là pour moi comme je ne l'ai jamais imaginé. Et puis vous êtes entrée dans ma vie aussi. Jusqu'à ce que je ne m'en rende compte, vous m'avez donné cette paix et réconfort. Vous m'avez donné une raison de me lever et de vivre ma vie à nouveau. Monsieur, vous et Denis,
être les personnes les plus importantes dans ma vie en ce moment. Mais la chose est que... je ne peux pas vous aimer comme vous l'attendez de moi. Je ne peux pas vous avoir comme mon mari. Si je le faisais ainsi, je le ferais peut-être pour votre argent ou juste par pitié. Et je ne veux pas que nous ayons ce genre de relation. Vous allez juste vivre dans la misère. Et je ne veux pas que ça soit comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ne soyez pas en colère contre moi à cause de ça. C'est pas... juste ne le prenez pas contre moi. S'il vous plaît, faut juste me pardonner. S'il vous plaît. Pardon. Je ne sais plus quoi faire. Je partirai demain. Et je ne vous oublierai jamais. Assis. Je te dis de t'asseoir. Ressent-il la même chose que tu ressens pour lui? Je parle de Denis. Oui, il la ressent. Donc tu es prête à abandonner tous les projets que j'avais pour toi. Pour lui, sachant très bien qu'il n'a pas de revenus en tant que tel. Oui. Bonne nuit. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est moi qui l'ai invité. Bonjour, monsieur. Assieds-toi. Merci, monsieur.
Chimamanda, assis. Denis, monsieur, je suis un homme de peu de mots. Je vais aller droit au but. Chimamanda m'a fait savoir ce qu'elle ressent pour toi. Comment elle se soucie de toi. Ce que tu représentes pour elle. Mais j'aimerais savoir ce qu'elle représente pour toi. Qui est-elle pour toi? Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Monsieur, j'aime Chimamanda. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je l'ai vu traverser tant de difficultés. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut pour lui donner le genre de vie qu'elle mérite. Car tout le bonheur qu'elle reçoit aujourd'hui, elle le mérite vraiment. Je le lui ai bien dit. Mais elle maintient toujours son choix. Denis. Monsieur. Qu'est-ce qu'il te faut pour lui donner une vie meilleure? Monsieur? Qu'est-ce qu'il te faut pour lui donner la joie? Mon atelier marche bien. Si seulement je pouvais l'avoir à un endroit plus stratégique et l'améliorer, je pourrais être capable de lui donner le genre de vie qu'elle mérite. Chimamanda. Oui, monsieur. Si Denis devenait ton mari, de quoi aurais-tu besoin pour le soutenir? J'ai toujours voulu avoir une boutique. Cela a toujours été mon rêve. Je m'en servirai pour le soutenir. D'accord. C'est bien. Denis. Monsieur. J'ai une place dans un endroit par ici. J'y construirai un atelier pour toi qui correspondra à un bon statut. Et j'ai des amis capitaines des industries. Je pourrais t'intégrer à leur clientèle. Et comme ça, tu t'en sortiras très bien. Monsieur, êtes-vous sérieux? Denis. Monsieur. Regarde-moi très bien. Monsieur, je vous regarde très bien. Je ne recule pas. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour rendre heureuse ma fille. Votre fille? Votre fille? Chimamanda. Puisque je ne peux pas être ton mari, j'aimerais bien être ton père.
Au moins, tu se rapproches de moi de cette façon. Alors, vous allez vraiment être un père pour moi? Oui, si tu me donnes le droit de prendre la responsabilité. Dieu. Denis. Monsieur. Fais-le vite. Elle ira faire du shopping à Dubaï. D'accord. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci, vous ne savez pas à quel point vous avez transformé nos vies. Merci. Nous vous sommes reconnaissants, monsieur. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup et nous apprécions beaucoup. Ça va, ça mérite une célébration. Lisa. Monsieur. Champagne, s'il te plaît. Merci infiniment, monsieur. Ah, j'ai mon mandat. Félicitations. Vous ne savez pas ce que cela représente pour nous. Merci infiniment, monsieur. Oui, merci. Voilà, monsieur. Denis. Monsieur. Ouvre-le. D'accord, monsieur. C'est bon. Ça te va comme ça. Non, merci. D'accord. Santé. Santé. My heartbeat.